Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Julien Musy de Leader de ton marché. Alors, Julien m'a fait le plaisir d'accepter cette interview, donc je suis super ravi. Honnêtement, j'ai besoin de me concentrer parce que j'ai envie de lui poser des questions intelligentes, des questions pertinentes pour vraiment profiter de sa présence. Mais rapidement, avant que Julien prenne la parole, j'aimerais vraiment vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas Julien Musy, c'est un ancien sportif de haut niveau. En fait, il a fait du tennis quand il était adolescent. Et à l'âge de 16 ans, il était donc dans l'école pour faire partie des plus grands tennismen. L'avenir a décidé que c'était différent, donc du coup, il s'est reconverti, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Et là, vous dites, c'est là qu'il a lancé Leader de marché, le mouvement que vous connaissez. La réponse est non. Il a commencé par un blog sur la cuisine, il a été rencontré des chefs cuistots au Japon. Et là, vous dites, bah, c'est comme ça qu'il a démarré. Non! Ensuite, après le blog cuisine, il a fait un autre accompagnement, cette fois-ci mental d'acier pour accompagner les tennismen pour qu'ils jouent le même tennis en match qu'à l'entraînement. Et c'est ça qui lui a permis d'acquérir l'expérience pour ensuite se rendre compte que c'est les entrepreneurs qui voulaient aider. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, il a créé Leader de ton marché qui a pour but aujourd'hui de créer de véritables leaders de transformation et qui a pour vocation de devenir l'école numéro 1 de coaching en francophonie. Maintenant que les fondations sont posées et maintenant que vous savez et que vous comprenez pourquoi Julien a un tel succès, puisque faut-il le rappeler, il est quand même passé de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Pas par an, par mois, parce qu'il a impacté énormément de personnes. Je pense que le cadre est posé et maintenant que vous savez qui c'est qu'on a avec nous, je pense que vous allez être aussi concentré que moi pour la suite de cette vidéo. Julien, merci d'être ici pour l'interview. Merci Meryl, c'est vraiment un plaisir de faire cette interview avec toi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation? Non. Ok, j'ai tout dit, c'est bon. L'interview est terminée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ok, moi j'ai quand même quelques questions. Évidemment, la question qui revient souvent dans ce cas de figure, c'est pour arriver à ce tel niveau d'excellence, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence par rapport aux 97% de la population? La première chose, je pense que c'est de pas faire ça, tu vois, pas essayer de lancer un truc sur Internet pour être libre, gagner de l'argent et avoir ces 3 libertés géographiques, financières et je sais plus quelle est la troisième, mais bon. Temporelle, pour le voilà, temporelle, c'est ça. Mais de le faire parce que ça m'inspire réellement. Et du coup, d'être prêt à travailler. Tu vois, tu l'as dit, dans la pâtisserie, après j'ai fait du développement personnel, plein de trucs. J'ai travaillé pendant des mois, même un peu plus d'un an pour que dalle. Que dalle, mais travailler 12 heures par jour juste par passion, tu vois. Juste parce que ça m'inspirait. Et donc pour moi, la différence, c'est que je ne l'ai pas fait pour obtenir quelque chose, mais je l'ai fait parce que j'avais envie de kiffer le chemin. Et du coup, quand tu le fais pour kiffer le chemin, tu es prêt à faire beaucoup plus de sacrifices, tu es beaucoup plus résilient, beaucoup plus persévérant. Et du coup, tu peux outwork. Your competition, tu vois, j'adore cette citation Grant Cardone qui dit quand il débute dans un marché ou dans une entreprise, au début il dit I can't outspend you, je peux pas dépenser plus en marketing, par contre I always can outwork you, je peux toujours travailler beaucoup plus que toi. Et c'est un peu cette idée que j'ai eue au début, tu vois. Ok, d'accord, donc ça c'est ce qui t'a permis de pas abandonner et de rester passionné. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose que tu as partagé dans le séminaire, puisqu'on est actuellement à Malte pour l'immersion de Julien Musy. Et pendant le séminaire, tu nous as invité à réfléchir à la somme d'argent dont on avait besoin en rente pour assumer tout notre style de vie. Ouais. De sorte qu'une fois que ce soit fait, on puisse monter un business, non pas pour l'argent et le style de vie, mais vraiment pour chercher à impacter les gens. Donc merci pour ta réponse. Maintenant, ça, c'est ce qui t'a... Ce que tu penses, ça a fait la différence par rapport aux 97%, mais j'imagine que ça n'a pas été tout beau tout rose. Est-ce que tu as eu des doutes majeurs, des moments où tu as eu envie d'abandonner? Non, j'ai jamais eu envie d'abandonner parce que c'était plus fort que moi. Je savais que j'y arriverais, tu vois. Donc j'ai jamais eu vraiment cette envie d'abandonner. Par contre, j'ai eu des périodes plus difficiles, tu vois. Je me souviens d'une fois où au début, je faisais mes premières conférences, tu vois, à Paris, et j'avais loué une salle de 35 personnes. J'étais assez confiant sur le fait qu'on ait au moins 20 personnes. Et en fait, il y avait 5 inscrits. Donc, 5 inscrits, je me dis, bah, ça va, on sera 5. Franchement, c'est pas terrible, mais bon, au début, je kiffais tellement faire des conférences que 5, je me dis, bah, si je peux impacter la vie de 5 personnes, c'est cool. Et du coup, j'arrive dans cette conférence et j'arrive dans la salle et il est 19h45. Je vois qu'il y a personne. Je me dis, bah, ok, bon, les gens, ils vont arriver à l'heure et tout. Et 19h58, il y a les 2 premières personnes qui arrivent, qui étaient ma meilleure amie et son mec. Il y en a eu d'autres après? Justement, j'y arrive. 20h, il se passe rien. 20h05, il n'y a toujours personne. Et là, tu commences à te dire, putain, il va y avoir personne.
Et 20h10, il n'y a personne. Donc, tu commences la conférence et tu réalises qu'en fait, il n'y aura jamais plus que ces deux personnes. Okay. Donc, tu as une salle de 35 personnes. Tu as deux personnes, ta meilleure amie et son mec. Et là, je me souviens leur avoir dit, bah, vous voulez qu'on fasse ta conférence ou qu'on aille boire un verre, tu vois. Tellement tu te sens honteux et tellement tu te dis, c'est horrible. Et du coup, tu fais la conférence pour deux personnes et tu sens qu'ils sont là juste pour te faire plaisir en plus, qu'ils sont fous du développement personnel, juste pour te souvenir qu'ils sont là. Mais ils sont que deux dans une salle de 35 personnes. Alors que tu leur avais dit, ouais, je fais des conférences et tout, tu te prenais un peu au sérieux avec tes conférences. Et là, tu rentres chez toi le soir, je me souviens, c'était à Paris à l'époque, un billet de métro à 1,80€. Si je pouvais marcher 30 minutes et économiser mon billet de métro à 1,80€, je le faisais. Donc je rentre à pied, c'était un soir de novembre, il pleuvait à moitié, il faisait froid et tout. Et là, pendant l'espace de cette soirée, en rentrant chez toi, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? C'est pour vivre ça, tu vois. T'es dépité et tu te dis, je suis vraiment qu'une grosse merde. Mais le lendemain, si tu fais ça parce que t'es vraiment inspiré, bah, t'as juste envie, c'est de travailler plus, de comprendre pourquoi t'as eu que deux personnes. Pourquoi les gens qui sont venus dans des précédentes conférences, ils sont pas revenus? Comment tu peux t'améliorer et tout? Et tu vois, c'est la différence entre si tu fais un business pour avoir des résultats, bah, tu vis ça, t'arrêtes. Tu te dis, c'est pas pour moi. Alors que si tu vis ça parce que ça t'inspire, bah, tu continues même si les résultats sont pas là au rendez-vous, tu vois, au début. D'où la pertinence d'avoir à la base quelque chose qui te passionne. Ouais. Et de vouloir vraiment aider les gens. Parce que là, t'as vécu cette situation où la plupart des gens, ils se seraient dit, bah, c'est pas fait pour moi. Ouais. Ça aurait été l'occasion d'abandonner, quoi. Exactement. Mais t'as aussi shifté, alors parce que t'étais passionné, mais aussi parce que j'ai l'impression que tu t'es posé les bonnes questions. C'est marrant, tu vois, je revois vraiment celui que j'étais. Ça, c'était il y a 3 ans et demi, tu vois, mes premières conférences. Il y a 3 ans et demi. Je savais que j'allais réussir, tu vois. Je savais que c'était juste une question de temps. J'adore cette citation qui dit, échouer, c'est juste abandonner avant d'avoir réussi. Et c'est exactement ce que j'avais l'impression de vivre. Tu vois, je me disais, ok, j'ai échoué là, mais j'ai pas réellement échoué parce que j'ai pas encore abandonné. Et donc j'ai toujours eu ce truc. Ça a duré franchement 6 mois à faire des conférences où il n'y avait pas plus de 5 personnes. Tu vois, et en plus, c'est pas des conférences sur lesquelles où tu te dis, bah les gens ils ont payé 5 000€, bah voilà, tu fais une conférence, t'as 6 personnes, ça va, t'as fait 30 000€ à la conférence. C'était des trucs sur lesquels les gens payaient 17€ leur place. Tu vois, je rentabilisais même pas la salle, je perdais de l'argent, j'en avais déjà pas beaucoup. Et en plus, je perdais de l'argent pour faire des conférences. Et aujourd'hui, tu vois, les gens qui se lancent sur Internet ou quoi, ils se disent, non, mais je vais pas faire de la pub Facebook parce que je perds de l'argent et tout. Mais si t'es pas prêt à payer pour faire ce que tu fais, c'est que t'es pas assez inspiré à faire ce que tu fais. Ok, payer pour faire ce que tu fais. Et donc aujourd'hui, si tu pouvais choisir, si t'avais la pub Facebook comme outil, tu t'en servirais ou tu continuerais de faire des conférences comme ça avec deux personnes? Le pire, c'est que je mettais de la pub Facebook à cette époque. Mais genre, je mettais 30€, tu vois. Non, si aujourd'hui, je devais reprendre de zéro, effectivement, je ferais de la pub Facebook directement. Mais encore une fois, sur une conférence, je serais jamais rentable, tu vois. Bien, tu payes pour faire ce que tu aimes. Mais c'est comme une passion, finalement, c'est ça. Tu payes pour la pratiquer. Tu payes pour la pratiquer. Et si tu es tellement passionné et constamment en train de te demander comment est-ce que je progresse, comment est-ce que je m'améliore, eh ben, un jour, le rapport s'inverse et c'est les autres qui te payent pour faire ce que t'aimes. J'ai une vision un peu plus claire, mais j'imagine que pour avoir cette ténacité, même si t'es passionné, ça demande quand même de la ténacité. Est-ce que tu nourrissais ça avec des rituels quotidiens, un miracle morning, de la visualisation, je sais pas. Est-ce que t'as des rituels quotidiens? J'ai des rituels quotidiens. Par contre, si je suis honnête avec l'audience, je suis incapable de tenir un rituel quotidien plus de 2 semaines. Mais merci de nous rassurer. On est tous comme ça. Merci ouais. De nous dire ça. C'est-à-dire que si je veux tenir un rituel, j'ai besoin de le faire varier. Tu vois, j'ai compris ça. Au début, je me suis forcé et tout. Et franchement, au bout de 2 semaines, j'abandonnais. Je me suis rendu compte que j'ai besoin de cette variété. Donc, je vais comprendre les grands principes, tu vois. Genre, je sais que j'ai besoin de gratitude. Je sais que j'ai besoin de noter mes objectifs. Mais j'ai aussi compris que j'ai besoin de variété. J'ai besoin de tester des choses. Du coup, j'ai besoin de mouvement aussi, de sport. Donc, je vais faire varier les choses et je vais pas forcément me forcer. Bah, tu vois, typiquement, là, je suis rincé. Ça fait 10 jours qu'on enchaîne conférences sur séminaires, sur interviews, sur je sais pas quoi. Demain matin, il y aura pas de rituel matinal. Et mardi matin, je pense qu'il n'y aura pas de rituel matinal. Parce que je sais aussi écouter ce qui est juste pour moi plutôt que de reprendre un rituel qui est imposé, tu vois. Le but pour moi du développement personnel, c'est pas de faire de toi un robot. C'est plutôt d'arriver à comprendre de plus en plus et t'observer de plus en plus pour comprendre ce qui fonctionne pour toi et ce qui est juste pour toi. Ok, je trouve ça incroyable. Merci pour ta réponse. Maintenant, si on regarde bien. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais Julien porte une bague. Donc, on est quand même on mesure la performance. Ouais. Parce que, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette bague que tu as? Ouais. Cette bague, c'est une Oura Ring. Donc, ça te permet de mesurer le sommeil.
Et donc effectivement, je mesure le temps que je passe dans mes différents cycles de sommeil, le niveau d'activité que j'ai quotidiennement et tout ça. Mais tu vois, je suis pas en mode il faut absolument que j'ai 7 heures et je me déteste les jours où j'ai pas 7 heures de sommeil ou les jours où je passe pas 2 heures en deep sleep ou quoi. Par contre, je vais l'utiliser pour apprendre à me connaître, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment la différence entre le développement personnel en mode c'est quoi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et on t'impose la vie de quelqu'un d'autre. Et au final, tu te rends compte ça marche pas pour toi et finalement tu procrastines ce que tu es censé faire dans les livres et tu t'en veux après, tu te culpabilises de te dire putain, j'arrive pas. Et le développement personnel en mode, c'est quoi, je pense que il y a des principes, mais il y a aussi une machine qui est unique, une âme qui est unique, qui a des besoins, une mission, des priorités intrinsèques qui est unique. Et mon but, c'est pas de vouloir correspondre à une image, mais c'est plutôt d'apprendre à me connaître pour que j'ai pas à me forcer à faire les choses, mais je me rende compte moi-même de ce qui est juste pour moi, ce qui n'est pas juste, et que j'apprenne du coup de mieux en mieux à faire ce qui m'inspire et écouter. Peut-être, tiens, peut-être ce soir, j'ai envie de dormir 3 heures. Mais je vais pouvoir le faire en conscience et savoir quelles conséquences ça a. Est-ce que oui ou non, je suis prêt à payer ce prix? Sans t'auto-flageller. Quoi. Sans m'auto-flageller. Si j'ai envie de dormir 3 heures et d'aller en boîte ce soir, bah, je le fais. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus tu t'autorises à faire des choses qui sont interdites par le développement personnel, moins tu as envie de les faire. C'est vrai, ça. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand vous étiez jeune, peut-être que vos parents vous empêchaient d'aller en boîte de nuit, etc. Mmh. C'est là qu'on est tenté d'y aller, en fait. Mais si on te dit, bah, vas-y, ta carte blanche, fais tes erreurs ou tests, bah, t'as peut-être plus tendance à t'auto-réguler. Tout ce que tu réprimes s'exprime par compulsion. Ok, avec un tel niveau de mindset, je pense qu'on peut comprendre comment est-ce que tu as réussi à avoir les performances que tu as aujourd'hui. Sauf que quand on a du succès, je pense qu'il faut accepter aussi les obstacles, les difficultés, ouais. Les challenges qu'on a avec ce niveau-là. Et une des premières choses qu'on peut remarquer, et soyons francs, c'est que tu es très présent au niveau publicité. Et tu es aussi très, très critiqué sur les réseaux. Comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces haters? Déjà, je les regarde pas. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, je les regardais et chaque fois que je les voyais, tu vois, ça me mettait dans un état interne de merde. Et au final, tu finis par te remettre en question et voir est-ce qu'ils ont pas raison, tu vois, est-ce que je ferais pas mieux d'arrêter. Donc, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, ça sert à rien en fait. C'est pas comme un client insatisfait qui a vraiment un feedback intéressant à te faire. C'est des gens qui ont juste une charge émotionnelle de merde et ils la projettent sur toi sans même savoir ce que tu fais. Et que ce soit toi ou Tartempion, de toute façon, ils vont dire escroc. Ouais, tu vois. Donc, le truc, c'est, je me suis dit, j'arrête de les regarder. Après, je pense aussi que les haters peuvent te permettre d'avoir un vrai développement, de progresser personnellement et d'évoluer personnellement. Parce que je me suis rendu compte, tu vois, qu'il y avait, genre, 95% des insultes ou des critiques ou des messages qui me faisait rien, et 5% des critiques qui là me faisaient quelque chose. Et je sais que quand il y a vraiment un hater qui me fait quelque chose, c'est que j'ai encore quelque chose à travailler là-dessus. Okay. Donc aujourd'hui, je les vois comme un entraînement, tu vois. Si tu me dis, bah, t'es un enculé, t'es un escroc, je sais pas quoi, ça me passe au-dessus. Mais le jour où il y a quelque chose qui me fait quelque chose, là, je vais travailler dessus, je vais me demander pourquoi ça me fait quelque chose. Ok, ça marche. Donc s'il y a des haters qui voient cette vidéo, vous pouvez vous entraîner en laissant des commentaires. Non, je peux. Si, ils peuvent. Calmez-vous, mettez plutôt un pouce bleu. Moi je préfère. Tu es habitué aux haters, moi je préfère les pouces bleus. Voilà, c'est comme ça. Ok, super, merci pour ce partage-là. Maintenant, on dit souvent qu'il faut s'entourer des bonnes personnes pour réussir, etc. Moi je crois que... ma question c'est plutôt, est-ce que tu t'es entouré de personnes? Est-ce que tu t'es entouré de livres, de podcasts, de formations? Comment tu t'es formé en fait? Au début, je me suis vraiment mis dans ma bulle. Tu vois, j'ai vivé dans un environnement où je vivais chez ma mère, que j'adore, tu vois, j'adore ma mère, mais en termes de mindset, elle a pas un mindset d'entrepreneur, tu vois. J'avais pas d'amis, j'avais peu d'amis, j'avais des fréquentations, tu vois. C'était des amis à la base, mais ça me tirait pas vers le haut, tu vois. C'était pas les fréquentations qui me tiraient vraiment vers le haut. C'était des gens qui avaient juste envie d'être salariés et tu leur parlais d'entrepreneuriat. C'était risqué, fallait pas. C'était n'importe quoi, ça allait pas marcher. Ouais, ils projetaient toute leur peur. Donc très vite, en fait, je me suis détaché de ces gens-là et je me suis dit, tu sais quoi, je vais avancer seul. Donc je voyais plus personne. Par contre, je m'étais créé mon environnement à moi, dans lequel j'écoutais des gens qui m'inspirent toute la journée. Et du coup, j'avais l'impression de fréquenter ces gens-là, tu vois. Donc j'ai écouté beaucoup d'audio, regardé beaucoup de vidéos, acheté beaucoup de formations, lu beaucoup de livres. Franchement, j'ai pas eu forcément un canal spécifique mais j'ai fait plein de choses, plein de choses. Tu vois, j'ai commencé il y a 4 ans, vraiment, tu vois, à m'intéresser au développement personnel, il y a 4 ans. En 4 ans, je pense que, sans exagérer, j'ai dû investir
300 à 350 000 euros, sans problème, minimum. Ok, et bien qu'il y a des personnes qui ont du mal à investir 30 euros pour acheter deux bouquins. Mais je comprends, parce que la réalité, c'est que la première conférence à laquelle j'ai assisté, je m'en souviens, c'était 37 euros. C'était une conférence de David Laroche. Et j'avais trop envie d'y aller, ça faisait genre 6 mois que je regardais ces vidéos. Et ces conférences sont à 37 euros. Je me disais, c'est hyper cher pour une conférence. Et je crois que 37 euros, c'était même le tarif réduit, c'était 45. Et j'ai été 4 fois sur le bon de commande avant de l'acheter, tu vois. En 7 jours différents, j'ai été 4 fois. Et à chaque fois, je me disais, non, 37 euros, franchement. C'est trop pour une conférence. Du coup, je revenais en arrière et le lendemain, j'y retournais. Et finalement, je me souviens avoir été à sa première, c'était ma première conférence de développement personnel. J'avais payé ça, je crois, 37 euros. Et à la fin de la conférence, j'achète un produit à 2500 euros. Tu vois. Comme quoi, c'est juste le temps de rompre l'inertie, de se mettre en mouvement et de se dire, vas-y, je vais me former. Je sais que tout à l'heure, on parlait de livres et t'aimes pas spécialement donner des recommandations de livres parce que ça dépend des problématiques que tu as. Mais si tu devais recommander 3 livres à des futurs solopreneurs ou des entrepreneurs. Effectivement, si j'aime recommander des livres, mais quand c'était tout à l'heure, on m'a posé la question, quels sont les livres qui t'ont impacté cette année? Ah oui, c'est tiens. Ouais. Voilà, ça n'a peut-être pas de sens pour l'audience, tu vois, ça dépend où t'en es et tout. Mais en tout cas, les 3 livres que je recommande toujours, c'est le premier, L'éveil de votre puissance intérieure, Tony Robbins. On l'envoie à tous nos clients. La deuxième, The Breakthrough Experience de John DeMartini. Et... troisième livre, il y en a pas mal, mais je conseillerais The One Thing. Voilà. Ok, les liens sont dans la description, évidemment, juste en dessous, les réseaux sociaux de Julien. Génial, maintenant j'ai une dernière question avant qu'on passe à la dernière ligne droite que vous attendez, j'en suis sûr. La dernière question, c'est une question que tu poses habituellement en interview et que je trouve extrêmement pertinente. Ouais. Tu me vois venir. Ouais. Je vais essayer de la formuler aussi bien que toi. je vais faire mon mieux, ok? Si tu redémarrais à zéro, quels sont les traits d'esprit ou compétences que tu voudrais conserver? Ma capacité à trouver ce qui m'inspire et constamment agir en fonction de ce qui m'inspire, première chose. Deuxième chose, la capacité à s'observer et à mettre de la conscience sur comment tu penses. Pas juste penser et réagir à tes pensées, mais mettre de la conscience sur comment tu penses. Et la troisième chose, ma capacité à avoir le courage de faire les choix qui me paraissent justes et les décisions qui sont inconfortables. Quand mon cœur me le dit, de le faire même si j'ai peur. Ok. Merci pour ces réponses. Je pense que ça vaut le coup de les réécouter quelques fois parce que c'est quand même les 3 qui retient pour construire son business. Tu vois, j'ai pas parlé de persévérance, j'ai pas parlé de focus, j'ai pas parlé de résilience, j'ai pas parlé de tout ça parce que pour moi, tout ça ne sont que la conséquence du fait que tu fais ce qui t'inspire. Je trouve ça super intéressant comme réponse. Je te remercie pour ça. Histoire de conclure l'interview, est-ce que tu es ok pour te livrer à un petit jeu de questions? Ok. Tu connais le portrait chinois? Non. Le portrait chinois, ça va être une question du style, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? J'ai 10 questions et le but, c'est que quand je te les pose, ce soit les réponses plus spontanées, c'est vraiment ce qui sort des prix. T'es ok pour ça? Ouais. Ok. Donc, Julien, première question, si tu étais un animal? Un loup. Ok. Un loup. Si tu étais un objet du quotidien? Un téléphone portable. Julien, si tu étais un film? Prison Break. Ah, j'adore. C'est une série, mais ça passe parce que je suis totalement fan. J'ai regardé 2 films en 12 ans, donc... Okay. Mais je t'aime bien, t'as regardé une bonne série. Quoi. si tu étais un livre? L'éveil de votre puissance intérieure. Si tu étais un plat? Une pizza à la truffe. c'est spécifique. si tu étais une célébrité? Tony Robbins. Si tu étais une citation? Alors là, tu peux avoir un joker, tu nous as déjà sorti pas mal pendant l'interview, mais si tu en as une que tu aimes particulièrement. Trade your expectation for appreciation. Alors moins subtil, si tu étais un gros mot. Fais chier. si tu étais un super pouvoir. Mission. Ça veut dire quoi, mission? Je sais pas, tu m'as dit de sortir ce qui sort. Okay. Et enfin, si tu étais une émotion. Gratitude. Sans surprise, j'étais sûr à 10 000 personnes. C'est génial. Mais j'aime beaucoup la réponse Prison Break parce que finalement, c'est un peu ce que tu fais. Aider les gens à sortir de leur prison mentale et financière pour enfin se libérer. Tu sais que j'avais travaillé avec une coach qui a pour but d'aider les gens à trouver leur mission de vie. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle va, pour t'aider à trouver ta mission de vie, elle te demande quel est ton film préféré. Et elle va aller le regarder et elle va te demander c'est quoi les passages spécifiques qui t'inspirent. Et tu te rends compte que dans ton film préféré ou ta série préférée, les passages qui t'inspirent réellement ne sont pas là par hasard. Ils sont en lien avec ce que tu es venu faire sur cette terre. Donc, effectivement, je pense que ce qui m'inspire, tu vois, chez Prison Break, c'est
chez Michael Scofield. C'est pour faire ce qui l'inspire, qui est sauver son frère, capable de tenter l'impossible, tu vois. Et c'est ça qui m'inspire, tu vois. Et derrière, se dépasser, trouver les stratégies pour tenter l'impossible. Et c'est un peu le lien avec ce que je fais, quoi. Ok, j'adore. Je m'attendais pas à parler de Prison Break sur cette interview, mais je te remercie vraiment du partage. En plus, ça me parle. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est génial. Écoutez, on arrive au bout de cette interview avec Julien. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi durant cette vidéo. Si jamais ça vous plaît, je vous laisse vous abonner parce qu'il y a 52 entrepreneurs inspirants qui seront interviewés tout au long de l'année 2020. Donc, c'est le moment de vous abonner. Laissez un petit like pour Julien. Et je vous invite évidemment à aller voir sa chaîne YouTube ainsi que tous ses réseaux en description. C'est mon coach business et autant vous dire que je suis assez exigeant sur les personnes que je suis et Julien c'est quelqu'un que je recommande très très chaudement comme vous pouvez vous en douter. Merci pour votre attention, merci beaucoup Julien d'avoir accepté l'interview, à très bientôt, ciao.